Beaucoup de personnes pensent qu'il y a un certain prestige à être détective privé à Miami. Mais en réalité, ce boulot peut être carrément sordide. Moi, ça ne me dérange pas, au contraire. Le sordide, j'aime bien. Je recherchais un type depuis quelques jours. D'après le tuyau qu'on m'avait filé, il était à Little Havana, dans une boîte de nuit appelée le Don't Come In. Les propriétaires ont donné à ce lieu le nom d'un jeu de dés illégal qui se déroule dans une minuscule arrière-salle. Très malin. J'aime les filous qui ont le sens de l'humour. Au fait, est-ce que je vous ai précisé que la salle de jeu se trouve au troisième étage? Vous me direz peut-être que c'est un détail mineur, mais pour quelqu'un comme moi, le moindre détail peut parfois revêtir une importance capitale. Comme en ce moment, par exemple. Je m'appelle Mike Hammer et c'est comme ça que je gagne ma vie. Mais laissez-moi vous raconter l'histoire depuis le début. C'était une journée ennuyeuse à mourir. J'avais cogné personne depuis que j'avais classé l'affaire Dorfman la semaine précédente. Et j'étais loin d'imaginer que la seule femme au monde qui me ferait vraiment vibrer était sur le point de passer le seuil de ma porte et d'entrer dans ma vie. Non, non, c'est pas elle. Elle, c'est Velda. Elle travaille pour moi. Un coup d'œil sur son CV et j'ai su que j'avais trouvé la perle rare. Elle a passé une maîtrise d'économie à l'université de Miami, elle parle trois langues et elle sait faire une division à 8 chiffres de tête. Oui, ben je sais, moi aussi j'ai du mal à le croire. Ah, regardez-moi Mike. Ça. Mike, hein? Dorfman et sa femme se sont remis ensemble et ils vous poursuivent en justice. Vous plaisantez? Non, mais vous voyez, c'est comme ça qu'on vous remercie. Je n'arrive pas à le croire. C'est ça, c'est immonde. Qu'est-ce que vous croyez? Tous mes clients sont sordides. J'ai remarqué. Dites-moi pourquoi ça se passe comme ça. Parce que le sordide, c'est un boulot. C'est ce qui paye. On n'est peut-être pas obligé de travailler pour des saligots. On devrait trier la clientèle. Ah oui? Enfin, surcycler. Dans quoi? Je ne sais pas, moi. Des enquêtes plus saines. Écoutez, Velda, les gens qui font appel à des privés sont des crapules, qui recherchent d'autres crapules. Ils aiment ce qui est malsain. C'est comme ça. Il faudra vous y habituer. Je ne parlais pas de votre vie sentimentale. Eh oui, c'était une journée ennuyeuse à mourir. Excusez-moi, je cherche Mike Hammer. C'est à ce moment-là que les choses commencèrent à devenir intéressantes. Ne cherchez pas plus loin. Mademoiselle? Sinclair, Trinity Sinclair. Asseyez-vous, mademoiselle. Merci. Je vous présente Velda. Bonjour. Alors, comme ça, vous vous appelez Trinity. Mm-hmm. Joli prénom. C'est la première fois que je l'entends. Vraiment? Oui. Trinity. Ah. Voulez-vous un cigare? Non, non, pas ça. En quoi puis-je vous être utile? Je recherche mon père. Mmh. Il s'appelle Félix Sinclair. Je ne l'ai pas vu depuis 14 ans. Il a dit à ma mère qu'il sortait acheter des cigarettes et il n'est jamais revenu. 14 ans? Ça fait un sacré bail, ça ne va pas être simple de le retrouver si toutefois il est encore en vie. Je sais qu'il est toujours vivant et qu'il est ici. La preuve, c'est qu'il nous fait parvenir des mandats de la poste de Miami depuis 5 ans. Je comprends bien, vous n'êtes pas du coin. Non, je suis de Port-Henry, dans l'état de New York, sur le lac Champlain. Comment avez-vous entendu parler de nous? Oh, j'ai vu une publicité sur un autobus. Ah. Votre mère et vous n'avez entamé aucune recherche jusqu'à maintenant? Non, à vrai dire, c'était plutôt un soulagement quand il est parti. On se disputait énormément. Hein? À propos de quoi? Je ne sais pas, de tout et de rien. Allez donc savoir pourquoi les couples mariés se disputent. L'âge? Le sexe. Papa jouait aux courses et perdait beaucoup d'argent. C'est comme ça que ça a dû commencer. Et que faisait votre père dans la vie? Il était en renseignement dans une compagnie de téléphone. Votre mère sait que vous êtes là? Non, elle est décédée. Je vous en prie, vous voulez bien m'aider? Mademoiselle Sinclair, Trinity,
Ça coûte une petite fortune d'engager un détective privé. Si j'avais seulement un espoir de le retrouver, je prendrais l'affaire. Mais il s'agit d'un homme qui a disparu depuis presque 15 ans, alors... Non. Je suis désolé. Écoutez, je vous donne $1000, c'est tout ce que je possède. Est-ce que ça suffira pour commencer? Si vous cherchez et que vous ne le retrouvez pas, à ce moment-là, je saurai que c'est sans espoir. Voilà ce qu'on va faire. Je vais mener mon enquête pendant une journée. S'il n'y a aucune chance de le retrouver, je le saurai très vite. Et je vous rendrai votre argent. Ça vous convient? Oui, tout à fait. D'accord. Merci. Il n'y a pas de quoi. Ne vous faites surtout pas trop d'illusions. C'est pas encore gagné. Alors, votre papa aimait les chevaux, hein? Et vous aussi? Nous allons commencer par faire un tour au champ de course. D'accord. On y va. Au revoir. Au revoir. Vous savez bien que je n'avais qu'une chance sur 1000 de retrouver son père. Mais il fallait bien que je commence quelque part. Et par une chaude journée de printemps, cet endroit n'était pas des plus désagréables. Excusez-moi, mon nom est Mike Hammer, je suis détective privé. Vous reconnaissez ce type? Ah oui, je l'ai déjà vu. Et alors? Attends, pas si vite, grand-père, pas si vite. Qu'est-ce que tu me chantes là? Tu vois défiler 1 millier de personnes par jour et tu veux me faire avaler que tu reconnais cette tronche de monsieur tout le monde sur une photo format 12-18 prise il y a 14 ans? Alors là, ça m'étonnerait vraiment. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une blague. Je t'ai rien demandé, c'est toi. Comment est-ce que tu te reconnais? Tu te drogues ou tu prends des médicaments? Quoi? Respecte les anciens, fiston. Et là, du calme, petit gars, faut pas t'énerver comme ça, j'ai tout te dire. Tu sais qu'il y a des joueurs qui sont superstitieux. Et alors? Chez ce type-là, c'est une véritable obsession. C'est pas tant de manière, parle. Ses apparitions sont réglées comme du papier à musique. Chaque dernier vendredi du mois, je le vois. Ça dure depuis des années et des années. Et puis, il joue toujours pareil. 800 billets sur le cheval numéro 8 dans la 8e course. Et peu lui importe le canasson qu'il court. Le chiffre 8, c'est tout ce qui l'intéresse. Chiffre 8. Très bien. Je vous remercie du tuyau. Voici ma carte. J'étais sur une piste. Je décidais de parier sur Trinity. Je ne me souviens pas de ce nom. Non, ça ne me dit rien du tout. Mais attendez, je vais quand même vérifier. Merci bien. Betty, regardez donc si on a un certain Félix Sinclair. Et ne faites pas cette triste mine. Nous sommes déjà sur une piste. Oui, nous savons que votre père est un habitué des lieux. C'est une question de temps, maintenant. Eh, c'est bien ce que je pensais. Pas de Félix Sinclair. Il a peut-être changé de nom depuis. Pour quelle raison? Puisque votre mère ne lui court pas après. Ce n'est peut-être pas à ma mère qu'il essaye d'échapper. Vous croyez que c'est sa belle-mère qui lui fait peur? Écoutez, il était complètement obsédé par le jeu. Il essaye peut-être d'échapper à une espèce d'escroc qui lui a prêté de l'argent. Ah, comment appelle-t-on ça? Un usurier. Oui, c'est ça. Oui, oui. Oui, c'est possible. Mais s'il a changé d'identité, ça ne va pas faciliter nos recherches. Montre-lui la photo. C'est ce type-là. Oui? Oui. Et je m'en souviens, il m'est arrivé de lui signer quelques chèques, mais ce n'est pas Sinclair. Non, le nom de cet homme commence par un, je crois... Adolphe, Adarcombi, Gada... Ah, ça y est, je l'ai trouvé. Donald Acuff. Tenez. Ça, c'est lui, j'en suis sûr. C'est Donald Acuff. Mike, vous êtes un génie. Je n'allais pas la contredire. Qu'il y en a au moins un qui a passé une agréable journée. Est-ce que je peux aller au... Oui, c'est par là. Excusez-moi. Oh, pourquoi cette mine revêche? Non, laissez-moi deviner. Vous avez perdu vos cartes de crédit, votre permis de conduire. C'est quoi votre métier, détective? Vous voulez voir mes cicatrices? J'ai passé la journée à interroger tous les fichiers informatiques. S'il est au sud de la Floride, c'est qu'il a un autre nom. Oui, comme Donald Acuff, par exemple. Et pourquoi pas Donald Duck pendant que vous y êtes? Donald Acuff?
Donald Acoff. Je m'en vais. À demain à la première heure. Prenez votre temps, ma belle. Il n'y a pas de feu. Je ne suis pas pressé de clore cette enquête. Cet homme a changé d'identité, n'est-ce pas? Comment vous l'avez découvert? Je vous l'ai dit 100 fois, Velda, vous faites trop confiance à la technologie. Il vaut parfois mieux avoir recours à la bonne vieille méthode éprouvée du coup de poing dans la poire et puis trouver ce qu'on cherche. J'essaierai de ne pas l'oublier. Il n'y aurait pas quelque chose entre votre secrétaire et vous? Ça, non, jamais de la vie. C'est pas bon pour les affaires. Et puis, de toute façon, elle est mariée, vous savez. Elle n'est pas heureuse. Oh, c'est dommage. Ne lui dites surtout pas que je vous l'ai répété. D'accord. Salut, Mike. Salut, Lily. Il fait tellement beau que j'ai décidé de planter mes fleurs moi-même. Oh, quelle bonne idée. J'espère que tu as la main verte. Trinity n'avait jamais vu l'océan. Alors, en la conduisant à son hôtel, je suis passé par la plage. Waouh, cet endroit est magnifique. On y va? Non, moi je vous attends là. Vous venez pas avec moi? Je n'ai pas très envie d'abîmer mes chaussures. Enlevez-les, idiot. Je vais salir mes chaussettes. My. Allez-y, Trinity, amusez-vous. D'accord, mais si je me noie, ce sera de votre faute. J'étais bien conscient qu'il y avait une femme sous cette robe à fleurs. Mais tout ce que je voyais, c'était cette petite fille innocente en train de souffler ses 7 bougies sur un gâteau d'anniversaire. Et je me demandais si l'homme qui se tenait près d'elle savait déjà qu'il ne serait pas présent le jour de ses 8 ans. Rien ne nous oblige à rentrer à l'hôtel tout de suite. Pourquoi ? C'est une journée magnifique. Je veux pas qu'elle s'arrête. Moi non plus, je ne voulais pas qu'elle s'arrête. Et c'est bien ce qui m'inquiétait. C'est pas bon pour les affaires de tomber amoureux d'une cliente. Mais je n'ai jamais eu la réputation d'être un bon homme d'affaires. Doudoudou. Quelle ambiance, hein? Vous n'étiez jamais venu à Miami? Non, je ne suis jamais sortie de l'État de New York. Si vous aviez connu ma mère, la plus grande sortie de ma vie, c'est le bal des étudiants après les examens. Je ne connais pas. J'ai manqué mon coup. Quel dommage. Un beau garçon comme vous, je suis sûre que toutes les filles devraient être à vos pieds. Non, j'ai dû quitter l'école. Oh, c'est une très longue histoire. Oh, je parie que c'est passionnant. Je préfère que vous me parliez de votre bal. Oh, oh, offrez-moi une chose comme ça et je vous raconterai tout. S'il vous plaît, mademoiselle. Et voilà. Merci. Merci. Le pauvre garçon a dû être déçu. Oui, j'étais pas content. Mais... Mais il y a des tas de filles qui sont pas prêtes à faire l'amour à 17 ans, et puis il y en a d'autres qui le sont. Et puis, si vous vivez dans une petite ville et que vous ne faites pas attention à votre réputation, qu'il fera? Oui, je comprends. J'aurais dû attendre, moi aussi. Il y a des jours, je me sens pas très propre. Vous voulez que j'en dise un petit secret? Les secrets, c'est mon métier. Vous n'avez encore jamais vu un seul verre d'alcool. Ah oui, c'est vrai. Je vous jure que c'est vrai. Vraiment? Oui. Jusqu'à ce soir. Avec vous. Ça me touche beaucoup. Quoi? Jusqu'à ce soir. Avec moi. Thank you.
Prenez mon bras. Mon bras, Philippe. On lève le pied. Là. Asseyez-vous là. Jamais. Vous avez déjà essayé de faire partir une odeur de vomi dans votre voiture? Une nuit à Daytona. Une nuit en enfer, oui. Hey, vous voulez un coup de main? Non, 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 ça ira. J'ai presque fini. Bon courage, on vous laisse. Oh. J'ai fini par trouver une solution. Laisser le toit de la voiture ouvert et respirer par la bouche. Bonjour, je m'appelle Daisy. Je fais une collecte pour soutenir les vaches laitières de Floride. Vous voulez faire un don? Oui, prélevez $50 sur mon compte. Je bois beaucoup de lait. Ah, ma carte. Merci. Come fly with me, let's fly away. If you could use some exotic booze, there's a bar in far Bombay. Come fly with me, let's fly away. In Llama Land, there's a one-man band, and he'll toot his flute for you. Come fly with me. Belle fille, j'ai du linge sale pour vous. À votre service. Regardez, vous voyez que ça pourra partir? Oh non, oh c'est dégoûtant. Il faut arrêter de boire quand on supporte pas l'alcool. Ce sont des choses qui arrivent. Parfois, ça sort par où ça rentre. Come fly with me, let's fly, let's fly away. Alors que j'essayais de faire le point sur cette affaire, il m'est venu une idée. Ce type avait pu changer d'identité parce que c'était un criminel. Alors je suis passé voir mon vieux copain de régiment, l'inspecteur Pat Chambers de la police de Miami. Allez mon grand, dépêche, j'ai qu'une demi-heure. Impressionnante, hein? Oh, ça se prête ici, il y a quelqu'un qui a vomi ou quoi? Même mise que d'habitude? Non, Betsy et moi, on se sent en pleine forme ce matin. Je propose le double ou rien. Tu as $60,000? Alors, le gars que tu recherches, qu'est-ce qu'il a fait? Il a abandonné sa femme et ses enfants il y a 14 ans. Et c'est maintenant qu'on s'inquiète de sa disparition. Le dîner a refroidi? La fille a grandi. Elle est mignonne? Elle est pas mal. Alors? Bah alors rien, ça ressemble pas à tes affaires habituelles, c'est tout. Je peux savoir ce que tu entends par affaires habituelles? Ah bah tu sais bien, les trucs sordides. Ces histoires de maris jaloux, de femmes cocues, les gosses qui zigouillent les petits vieux pour leur piquer leur pognon. Disons que j'ai eu envie d'une affaire gentillette pour changer. Est-ce que tu crois que j'ai eu tort? Non, pas tant que tu gardes la tête sur les épaules. T'inquiète pas pour moi. Ah, celle-là, elle est pas dans le 10. J'ai fait exprès. Oh, bien sûr. Juste pour être galant, c'est ça? Pat, tu vas m'aider, oui ou non? Je vais voir ce que je peux te trouver, Zangier. Bien, je croyais qu'on donnait des 9 mm de fabrication étrangère aux flics.
Exact. Mais ça, c'est mon arme personnelle. Je suis passé chez mon tailleur, Nathan Wong. Avant de faire de la couture, il truque à des rencontres sportives pour la famille Gambino. Et aujourd'hui, bien qu'il ne donne plus dans le banditisme, il reçoit toujours de leurs nouvelles, si vous voyez ce que je veux dire. Les vieilles habitudes ont la vie dure. Ah, Mike, où étiez-vous passé? Trop occupé pour rendre visite à un vieillard, hein? Oh, qu'est-ce que vous racontez? Je suis venu la semaine dernière. Mais si on compte, ça fait 7 jours. Eh, où avez-vous trouvé cette guenille? Pas chez moi. Ce que vous appelez une guenille est un cadeau d'une femme reconnaissante. Reconnaissante de s'en débarrasser, oui. Ça ressemble plus à un acte de vengeance. Venez voir, regardez ce que je viens de recevoir. Ah, un coupon d'étoffe grise de toute beauté. Tenez, un mélange si soyeux qu'on dirait une couverture de pépé. Ah oui, c'est... Non, attendons une autre fois. Costume. Non, je ne suis pas venu pour ça, je suis venu vous payer. Je veux voir l'effet que ça fait de ne plus avoir de dette. Oh, j'en reviens pas. Mike Hammer a touché le gros lot. Pas du tout, j'ai conclu une grosse affaire. Pour une fois. Félicitations. Merci. Je suis Nathan. Bien content pour vous. Vous devriez fêter l'événement. Que pensez-vous d'une veste smoking en velours? Oh non, 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 merci. Ce genre de fringue, c'est pas pour moi. Oh, oh c'est une élégance rare. Oui, les filles vont tomber comme des mouches. Mike Hammer, détective privé. Salut ma jolie, c'est moi. J'appelais juste pour savoir si vous aviez pointé ce matin. Mike, où êtes-vous? Vous n'êtes pas en train de faire la bêtise de vous acheter une veste de smoking en velours? Non, 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 bien sûr que non. Je viens de passer chez Nathan pour voir s'il savait quelque chose qui pourrait m'aider à retrouver le père de Trini. Oh, vous êtes encore sur cette affaire. Je croyais que vous l'aviez déjà réglé avec votre vieille technique éprouvée de la pêche en pleine pomme. Non, c'est une bonne vieille méthode éprouvée du coup de poing dans la poire, Velda. Excusez-moi, mais c'est vous qui m'avez suggéré de prendre une affaire gentillette pour changer. J'ai dû avoir un moment d'absence. Ah, écoutez, Mike, j'ai trouvé l'adresse de Donald Acuff. C'est à Opa-Locka. Allez voir. Waouh, ça c'est magnifique. Joli travail. Vous justifiez vos émoluments. Au lieu de faire des compliments, allez donc le chercher. Qui est là? Bonjour monsieur, je m'appelle Gus Miley du magazine Clear House qui organise des concours. Si Donald Acuff est chez lui, j'aurai le plaisir de lui remettre un prix de grande valeur. Ah nom de Dieu, qu'est-ce que j'ai gagné? Vous êtes Gus Miley? Non, je suis pas Gus Miley, c'est vous, Gus Miley. Moi, je suis Donald Acuff. Je suis Gus Miley, vous... oui, vous devez être Donald Acuff. Je suis désolé, je... Ah, c'est une erreur. Ici, c'est le 1807 et moi, je cherche le 4907. Je suis désolé. Non, ils se sont plantés, mec. Faites voir. Écoutez, j'ai un peu attendez, de temps. Attendez, je vais vérifier quelque chose, c'est tout. Attendez, je reviendrai plus tard. Et revenez. Mais attention, vous êtes revenez. Vous. C'est parce que je suis noir, hein? Eh oui. C'était parce qu'il était noir. Les gens peuvent changer en 14 ans, mais pas à ce point-là. Vous vous êtes cassé dans une nuit? J'étais bien obligé, sinon ce grand noir serait encore en train de me courser. Heureusement qu'il était pieds nus et que j'ai traversé une décharge remplie de tessons de bouteilles. Ça prouve qu'il a une autre identité. Il n'y a pas deux Donald Acuff dans un rayon de 500 km. Je vois pas pourquoi. Le champ de course lui fait un chèque, il doit bien avoir un compte bancaire quelque part. Il peut encaisser son chèque dans n'importe quelle ville. Et bah, tout ça n'arrange pas mes affaires. Laissez tomber, Mike. C'est une cause perdue d'avance. Gardez le montant des frais, rendez-lui son argent. Certainement pas. Non, je suis tellement près de ce gars-là que je peux sentir son après-rasage. Vous êtes sûr que c'est son après-rasage que vous sentez, Mike? Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est vous le détective, c'est à vous de le découvrir. Excusez-moi, je ne vous dérange pas? Hey. J'espère que vous avez de quoi vous protéger. Je vous demande pardon. Le soleil. Il tape fort. J'arrive à un mauvais moment? Non, 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 elle... j'ai essayé de vous joindre tout à l'heure. Comment ça va? Oh, sans stupide. Mortifiée, consternée, je suis désolée. C'est à moi de m'excuser. Vous pouvez excuser de quoi? De vous avoir fait boire, d'avoir essayé. J'ai honte de moi, j'ai eu ce que je méritais, c'est tout.
suis pas aussi bien que vous l'imaginez. Oh, ne soyez pas si sévère avec vous, Mac. On a tous nos petits défauts. Vous ne savez pas où ça nous entraînera. Non, mais c'est justement ce qui fait tout le charme. Pas vrai. Cette nuit-là a été le plus grand moment de ma vie. Trinity était étonnante. Oh, elle était plus qu'étonnante, elle était même mieux que ma prof de lettres au collège. Je dois dire que je n'étais pas trop mal non plus. Et ensuite, j'ai quitté l'armée. Mais après avoir goûté au plaisir de la vie civile, je n'étais pas pressé de rentrer à Jersey. J'ai suivi une amie qui vit ici, ça m'a plu. Alors je suis resté. Ça fait 4 ans maintenant. Ton amie, qu'est-ce qu'elle fait? Inspecteur de police. Quoi? Rien. Pourquoi t'es pas devenu flic toi aussi? Ben, disons qu'après la discipline excessive de l'armée, j'en avais assez. Ah oui? Oui. Alors pourquoi t'es devenu un privé? Eh bien, tu veux la vérité? Un joli mensonge pour l'affaire. Tony Rome. Tu es Tony Rome? C'était un grand détective de Miami dans les années 60. Il était célèbre? Oui, c'était un héros de film. Oh, magnifique. C'est Sinatra qui jouait le rôle. Il aurait mérité un Oscar. Non, tu plaisantes. Tu as fondé le choix de ta carrière sur un rôle qu'a joué Frank Sinatra? Oui. Je viens de Hoboken. Sinatra, c'est un dieu là-bas. Tu es fou. J'avais beaucoup de boulot à faire ce matin-là. Alors j'avais décidé de ramener Trinity à son hôtel. Bien silencieux. Est-ce que tu as un petit ami? Je ne sais pas encore. T'en fais une tête? Je crois qu'on est suivi. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Il y a un 4x4 gris derrière la bagnole rouge. Le chauffeur a les cheveux en brosse et des lunettes de soleil. Il nous suit depuis 15 bonnes minutes. Ils prennent peut-être la même route que nous. Un seul moyen de le savoir. Je crois que tu as raison. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais me rabattre sur le côté et tu vas descendre. Pourquoi? Ça risque de mal tourner. Miami est la capitale mondiale du 9 mm. Je veux que tu descendes de la voiture. Non, certainement pas. Je ne veux pas rater ça. Alors accroche-toi. Position dans une petite seconde. Quand j'ai pris cette affaire, je croyais que ce serait du gâteau, et finalement, c'était pas de la tarte. Z, Y, X, W, V, U, Z,
Laisse tomber, il est pas ivre. Vous l'avez dit que j'étais pas ivre. Oh, qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah! Assassin! Aïe! Hé, hey, pourquoi tant de haine? Tu es sur la bagarre? Fait, là. Il m'a dit qu'il a payé la bagarre. Calme, dis rien, ça va s'arranger. Voilà ma carte, c'est pas la peine de s'énerver! Quoi encore? Je vous colle un PV. Pour conduite imprudente, on aurait bien aimé vous aligner pour excès de vitesse, stop non respecté, mais on n'a pas de témoin. C'est vrai, ça? Oui. Tout ce que nous avons, c'est votre parole. Tenez, vous aurez peut-être besoin d'un privé un jour ou l'autre. Ouais. Mike, qu'est-ce qui s'est passé? Salut, Pat. Oh, tu connais ça. Le frisson de la victoire, l'angoisse de l'échec. J'essayais d'échapper à un mec qui me filait, mais un imbécile a traversé la rue. Tu pourrais le décrire? Un type comme un autre avec un caddie. Quoi? Tu étais suivi par un type qui poussait un caddie? Non, c'est l'imbécile de piéton qui poussait le caddie. Celui qui me filait, il portait des lunettes noires, il avait les cheveux en brosse, le teint hâlé et des gros muscles. Regarde ce carnage. Tu l'avais déjà vu? Non. Un véhicule? Un nouveau modèle de 4x4, gris, immatriculé en Floride. Tu crois que ça a un rapport avec ton affaire en cours? Impossible. Tout ce que je cherche, c'est un père qui a laissé Bobonne et ses gosses. J'ai jeté un œil au nom que tu m'as donné. Alors? Rien, pas de casier judiciaire, ni Donald Acuff, ni Félix Sinclair. Oh, tant mieux, je suis soulagé. J'aurais pas aimé lui annoncer le contraire. C'est elle, ta chérie? Jolie. Un petit ami jaloux, peut-être? Non, elle dit que non. Bien, je vais te présenter. Non. Au fait, tu peux essayer de me faire sauter ça? Zelda et moi devions attendre la dépanneuse. Alors j'ai demandé à Pat de raccompagner Trinity à la maison. Et puis, au cas où il m'arriverait d'autres bricoles, je voulais que Trinity soit en sécurité. Oui, merci. Merci beaucoup. Au revoir. Hé, attention avec ça, attention. Fallait faire attention avant. Je crois que j'ai quelque chose, Mike. Allez voir le médecin. L'affaire, Mike. J'ai du nouveau sur l'affaire. J'ai trouvé un compte au nom d'Arthur. J'ai pensé que ça vous intéresserait. Il rapporte, tenez-vous bien, la coquette somme de 5 000 $ par mois. On ne peut pas être notre type. Les avocats avec qui j'ai parlé sont restés très évasifs. Vous les connaissez. Oui, mais pourtant, si c'était notre Donald, ça expliquerait comment il finance ses dons mensuels au champ de course. Oui, et quelqu'un qui claque autant de fric sur des chevaux doit aussi pouvoir parier sur autre chose. Non, ces gens-là sont fidèles au bourrin. En fait, Velda avait raison, mais je ne pouvais pas le lui dire. Vous savez ce que c'est. Là, il y a du boulot, hein. Les amortisseurs sont bousillés. Il faut changer les roues arrière et les pneus avec. Je peux réparer les pare-chocs, mais il faudra les recromer. Il faut refaire la carrosserie et la peinture. Ça va chercher aux environs de 4 500 $. 4 500? Et... Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Si tu veux me dépouiller, te gêne pas, vas-y. Hé, Miguel, je suis pas le seul mécano de Miami. Si tu me prends pour un escroc, je t'empêche pas d'aller voir les autres. C'est bon, d'accord, je plaisantais. T'es trop susceptible, Louise. Et on prononce Louis, pas Louise. D'accord, et c'est pas parce que je suis latino-américain que je suis un criminel, tu comprends ça? J'étais prisonnier politique à Cuba. J'ai été persécuté parce que je croyais au capitalisme. Eh, je te crois, hein. Excuse-moi, je suis désolé. Allez, on marche comme ça. D'accord. Ouais. Alors, comme ça, tu cherches des cercles de jeux clandestins, hein? J'avais l'intention de passer voir Louis ce jour-là, même si je n'avais pas bousillé ma voiture. Et comme je lui avais apporté du boulot, il m'a donné le renseignement que je voulais et en prime, une voiture de location à l'œil. Vous avez un modèle des années 60? Je ne crois pas, non. Qu'est-ce que vous avez? Venez, je vais vous montrer. C'est là que je me suis rendu compte que mon revolver avait disparu. Mike,
Mike, oh Mike, je suis vraiment désolée. Quand je suis arrivée, j'ai vu ça, j'ai complètement perdu la tête. J'ai entendu des pas et j'ai cru qu'il revenait. Ah, avec quoi vous m'avez cogné? Un caillou dans une chaussette. Je l'ai toujours dans mon sac. Une chaussette? Vous voulez aller à l'hôpital? Non, je ne veux pas aller à l'hôpital. Pourquoi vous croyez que je souffre? Non, je sens rien. Quelque chose a disparu? Ben, on dirait qu'ils se sont surtout intéressés à nos dossiers. Rien ne semble manquer, enfin, rien à voir du monde. Oh. Vous pouvez me tenir ça? Où est-ce que vous allez? Ah, j'ai rendez-vous avec mon destin et j'ai 15 minutes de retard. Go! Ah ah! Comment est la porte? Après m'être changé, j'ai foncé sur les fameuses pistes que m'avait données Louis. En fait, c'était des impasses. Et ce jour-là, elles étaient encore plus louches que d'habitude. Bonjour. Je voudrais placer un pari. Oui, et à part ça, qu'est-ce que vous buvez? Salut. Ma jolie, vous ne sauriez pas par hasard où je pourrais trouver un cercle de jeux clandestins? Vous cherchez Jack? Oui, c'est ça. Oh, la vue est magnifique ici. Vous venez souvent? Jack, c'est là-bas. Merci. Salut. Oh, mais, les gars. Vous voulez bien expliquer à votre père que le mec n'a pas pu placer Paris? Le guichet était fermé. Excusez-moi. C'est vous, Juggs? Messieurs, pourquoi n'iriez-vous pas faire un tour sur la plage? Ce sable, il n'est pas propre. C'est une façon de parler, nous, pendant la discussion tout à l'heure. Accordez-moi deux petites secondes. Je veux placer un pari. Je veux miser 800 billets sur le cheval 8 dans la 8e course vendredi. Vous pouvez arranger ça, Juggs? C'est monsieur Juggs. Juggs, c'est pour les amis. Et j'ignore de quoi vous parlez. Si je suis là, c'est pour profiter du soleil, inspecteur. Je suis pas de la police. Je m'appelle Mike Hammer et je suis détective privé. Je cherche un ami à moi, un joueur invétéré. Je pensais que vous pourriez m'aider à le retrouver. Ouais, bah, poulet ou privé, je vois pas la différence. Vous vous prenez tous pour Steven Seagal. Mais moi, je vais vous dire, je connais Steven Seagal, je le connais même très bien. Appelle-moi Steven Seagal au téléphone. Non, laisse tomber. Steven Seagal est un ami personnel. Et vous n'êtes pas Steven Seagal, vous lui arrivez pas à la cheville. Oui, 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 ça c'est vrai, je le reconnais. Je suis trop grand pour ça. Et ce gars-là, vous le connaissez? Finalement, Juggs était un garçon très sympathique. Malheureusement, il n'avait jamais vu Acuff. En revanche, il connaissait l'existence de ces jeux qui se déroulaient à Little Havana, dans l'arrière-salle de ce bouge appelé le Don't Come In. Je crois que c'est là que nous avons commencé, non? Faites vos jeux, faites vos jeux. Allez, finissez. Parfait. J'ai une carte. Les jeux sont faits, rien ne va plus. Allons-y, messieurs, dames, faites vos jeux. 18 à la banque. Désolé, pas de chance. 20. Dis, faites vos jeux. 15. Rouge, passe, impair et manque. Monsieur Acuff, ravi de vous rencontrer. C'est Trinity qui m'envoie. Je m'appelle Mike Ham. Oh! Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Qui a déclenché cette bagarre? Oh!
Mike. Mike. Comment ça va, Mike? Ça va bien? Oh, c'est affreux, vous avez une de ces têtes. Ça va? Elda. Oh, vous savez où est Akoff? Non, je n'en ai aucune idée. Oh, qu'est-ce qui m'est arrivé? Vous êtes à Palm City, à l'hôpital. À l'hôpital? Vous avez de la chance que j'ai maintenu votre cotisation à la mutuelle. Vous savez combien nous coûte cette enquête pour l'instant? Quoi? Non, je sais pas. Ça va faire 6 000 $. Et elle vous a versé quoi? 300? Oh, mais ça fait rien. Écoutez, pensez pas à ça, ça m'est égal. C'est pas pour l'argent que je mène cette enquête, je vous l'ai dit. C'est dingue, ça. Votre vie sentimentale ne regarde que vous et je m'en fiche. Mais puisque c'est moi qui commence à le payer, j'exige d'avoir moi aussi le droit à la parole. Ah non, c'est ça qui vous tracasse tellement, je suis sûr. Quoi? C'est ça, vous êtes jalouse. C'est vrai, vous l'êtes. Ça vous rend folle de voir mon bonheur alors que vous devez supporter votre imbécile de mari pendant ce temps. Ça, c'est moche. C'est un coup bas, Mike. C'est trop facile d'en faire une affaire personnelle. Il se trouve que moi, je n'ai aucune confiance en votre chère Trinity. Oh, de quoi est-ce que vous parlez encore? Pourquoi vous ne lui faites pas confiance? Je ne crois pas qu'elle soit ce qu'elle dit qu'elle est. Ah, voilà une très jolie phrase. Vous voudriez la répéter? Je ne crois pas qu'elle vienne de Port-Henri. Oh, ben alors, elle ne vient pas de Port-Henri maintenant. Qu'est-ce que c'est que cette blague? Elle a passé ses diplômes là-bas, elle y a vécu. Ah oui, et où? À quelle école? Il y en a que deux à Port-Henri. J'ai vérifié les inscriptions, il n'y a aucune Trinity Sinclair. Elle a habité Port-Henri après ses études. J'ai vérifié auprès de la poste, aucun Sinclair sur les listes. Sa mère s'est remariée. Elle a pu changer de nom après son divorce. Ou peut-être même qu'il n'avait pas le téléphone. C'est pas vrai, Mike. Vous avez vraiment gobé son histoire? Son vieux père qui part acheter des cigarettes et qui ne revient pas. Ça ne se passe jamais comme ça dans la vie. Ce n'est qu'une vieille légende, une espèce de mythe comme celui de l'assassin avec son crochet. Non, le tueur au crochet, il existe. Il a même terrorisé les adolescentes du New Jersey pendant des années. J'ai vu un infirmier lui retirer un morceau de verre grand comme ça du bras. Elle n'a même pas bronché. Bon, voilà, vous savez ce qu'on va faire? On va essayer de l'appeler. Et on va lui demander, tout simplement. Bien, allez-y, allez-y si vous savez où la trouver. Parce qu'elle a réglé sa note et elle a quitté son hôtel. Comment ça, elle a quitté son hôtel? Je vais vous le répéter très lentement. Trinity a réglé sa note et elle a filé, disparu de la ville. C'est pas clair, ça? Décidément, j'ai l'impression que j'arrive toujours au mauvais moment. Ah. Mike, qu'est-ce qui t'est arrivé? Oh, Trinity, je vais bien. En fait, nous nous faisions du souci pour toi. Venda vient de me dire que tu avais quitté ton hôtel. Oui, j'ai quitté l'hôtel, je te l'avais dit, mais mes vacances sont finies, je vais rentrer chez moi. Hé, hey, la jolie fille, c'est quoi la capitale de l'État de New York? C'est Albany, pourquoi? Ah, c'est Albany. Qu'est-ce que je vous avais dit? Les gens là-bas prononcent ça Albany, pas Albany. Mais ça, vous ne le saviez pas, bien entendu. Et qu'est-ce que ça change? Ça change énormément de choses. Qu'est-ce qu'elle a, là? Explique-moi. Eh bien, rien, seulement... Tu n'as pas confiance? Ben... Tu n'as pas confiance? Non, c'est pas vrai. Trinity! Ah! Ah! Oh! Trinity! Monsieur, reviens ici tout de suite. Trinity! Où est-ce que tu vas? Attends une minute. Arrête. Je vous ai entendu parler. Tu crois que j'ai... Oh, et puis je sais pas ce que tu crois. Trinity, ça n'est pas elle que je crois, bon sang. C'est toi, je t'aime, je suis sûr. Quoi? Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit que... j'ai dit que que c'est Velda tout craché, ça n'a rien à voir avec toi. Mike, je te jure que je te rembourserai absolument tout ce que je te dois, je te le promets. Hé, je paierai moins d'impôts, voilà tout. Et pourquoi est-ce que tu as dit que tes vacances se terminaient? On est encore que jeudi. Mike, on est vendredi, tu es resté inconscient pendant 2 jours. Vendredi? Oui. Non, non, c'est pas possible. On est vendredi. Mike. Qu'est-ce qu'il y a? Quelle heure est-il? Ah, tu as ta voiture? Bon, on va passer chez moi prendre un pantalon. Peut-être qu'il n'est pas trop tard. Pour faire quoi? C'est le dernier vendredi du mois, le jour où ton papa fait son offrande au champ de course. La 6e course va commencer. Les mises atteignent 135 000 $. Tu veux savoir pourquoi je pense que ton père est attaché au numéro 8? Oui, je t'écoute. Je suis sûr que ça a un rapport avec toi et avec le fait qu'il n'était pas là pour ton 8e anniversaire. Curieusement, je crois qu'il demande au destin de lui accorder son absolution. Quoi, ça ne te plaît pas comme hypothèse? Trouve une meilleure explication. Est-ce que tu crois au présage? Tout est écrit ici. 8e cheval, 8e course, birthday kid, les paris sont à 30 contre 1. Bon, d'accord, mais la course va bientôt commencer, alors où il est? Tu vas voir, c'est ton jour de chance. Viens avec moi. Hé,
Oh, tiens, mais je vous reconnais. Vous vous souvenez du type que je cherchais? Bien sûr que je me rappelle. Je suis peut-être vieux, mais je ne suis pas sénile. Vous nous aviez pourtant dit qu'il était toujours là le dernier vendredi du mois. Oui, il était ici. Il est venu faire ses paris à 10h ce matin. Oh, il a dû partir depuis un moment. Peut-être pas, non. Ton père ne travaille pas. Où voudrais-tu qu'il aille? Allons voir par là. Tu l'as vu? Non. Je crois que c'est le gars qui nous a pris en chasse. Où ça? Reste ici. Les chevaux sont sous les ordres. Ça y est, c'est parti. Voilà. Burns des Kids prend la tête immédiatement, suivi de Maxwell et Hydro. La course part extrêmement vite, un peloton très serré. Burns des Kids en tête, le numéro 8 monté par Jeffrey Corner, Casacros, Top Rose, suivi de Maxwell et Hydro et de Dynamite. Burns des Kids a 6 longueurs d'avance sur le peloton, alors qu'ils attaquent le dernier virage. Le peloton reste très serré à la suite. Burns des Kids ne perd pas un coup de terrain. Il est en train de faire une course fantastique, suivi toujours de Max Philippe Broome, le numéro 6 Kazakh bleu top vert, et de Dynamite monté par Sinclair de Novan. Et voilà Yellow Butro qui tente une remontée par la droite. Yellow Butro qui passe, il remonte par la droite, il tente de passer. Burns des Kids toujours en tête, avec encore deux longueurs d'avance. Et Yellow Butro qui fait une remontée spectaculaire devant Max Philippe Broome et Dynamite. Il occupe actuellement la seconde place derrière Burns des Kids qui conserve encore une bonne longueur d'avance. Et voilà la dernière ligne droite avec toujours Burns des Kids en tête, le numéro 8. Burns des Kids en tête, suivi de Yellow Butro et de Max Broome. Et l'homme IQ à la quatrième place. C'est follement excitant. Y avez-vous gagné? Je n'ai rien gagné du tout, mais je crois que le père de ma petite amie va empocher le pactole. À 30 contre 1. 800 dollars à 30 contre 1. Ça fait beaucoup d'argent, ça. S'il y a que fait là, il va se faire payer. Et moi aussi. Vous comprenez bien? Hé! Donald Acuff, vous l'avez vu? Ah, le voilà. Où ça? Où ça? C'est lui, là. Qu'est-ce que vous attendez pour l'attraper? Voulez-vous nous suivre, s'il vous plaît? Moi? Oui, vous. Oh! Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais! Où est Donald Acuff? Où est Donald Acuff? Là! Là-bas! Oh non, dites-moi que je rêve. Ben, c'est moi. Pourquoi tu as fait ça, hein? Pourquoi tu l'as tué? J'ai rien fait, j'ai tué personne. Lâchez-moi le nez. Allez, tu raconteras tout ça à tes copains dans le couloir de la mort. Ils adorent les histoires drôles. Mais je vous dis que vous vous trompez de coupable. Je suis un privé, j'ai été engagé pour retrouver ce gars-là. On est du FBI. Allez, faites circuler tout le monde, qu'on dégage les lieux. Bon, alors à nous deux, mon garçon. Vous êtes en état d'arrestation, vous avez le droit d'avoir silence. Vous avez le droit d'appeler votre avocat. Lui. Il l'emmène. Il l'emmène, faites quelque chose. Trinity. L'admettez. Venez. Qu'est-ce qui se passe encore ici? Qu'est-ce que le FBI fait sur le territoire de la criminelle? Et vous, qui êtes-vous? Pat Chambers, police criminelle de Miami. Et lui, c'est mon pote. Où est-ce que vous l'emmenez? Votre pote, il nous a dit qu'il était un privé. C'est un privé, oui, je le connais. Qu'est-ce qu'il a fait? J'ai rien fait. Regarde dans la voiture, c'est le père de Trinity qui est là. Pat, le blondinet a embarqué Trinity. Personne n'a encore prononcé le nom de Trinity. Ils t'ont engagé. Qui ça, ils? Non pas qui ça, ils. Qui sont-ils? Qui est qui? Quoi? Attendez une minute. Mike, le cadavre dans la voiture, c'est le père de Trinity. Oui, le cadavre de la voiture est un témoin protégé par nos services. Et votre pote vient de lui mettre une balle dans la tête. Inspecteur Chambers, je voudrais l'officier de liaison du FBI. Fais pas ça, Mike. Pat, ils ont Trinity. Il faut que j'aille la sauver. Je te jure que je viserai à la tête. Lâche ça. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est moi. Je
Je suis flic et je fais mon boulot. Touche pas à son arme. D'accord. Très bien. Très bien. On va régler ça de façon légale. Vos bracelets, je savais que vous viendrez chez moi. Vous le saviez? Comment ça? Où auriez-vous pu aller? Vous avez une scie à métaux? Pas de scie à métaux, mais peut-être un vieux bâton de dynamite. Hé, vous avez planqué la voiture? Dans un parking, à quatre pâtés de maison d'ici. Voilà, ça y est. Personne ne sait que vous êtes là? Non, personne. Nathan, tailleur sur mesure. Voilà, c'est personne. Allô? Mike? Oh, Mike, vous allez bien? Qu'est-ce qui s'est passé? Le FBI est venu au bureau. Gilda, vite, raccrochez-moi ce téléphone. Qui vous a dit que j'étais ici? Personne. C'était évident. Vous en faites pas. J'appelle d'une cabine et je sais qu'on ne m'a pas suivi. Je comprends rien à ce qui se passe. Je suis en plein cauchemar et les choses ne s'arrangent pas. Bien au contraire. C'est bon, je viens vous retrouver. Mike Hammer, où est-ce que tu t'es planqué? Tu sors de ce trou à rats immédiatement. C'est toi, Pat? Comment tu savais que j'étais là? Tu voulais te planquer avec tous les flics de Miami lancés à tes trousses. Au grenier, dans un placard, sous les jupes de ta mère. Je connais bien les gens que tu fréquentes ici. Et d'ailleurs, c'est mon travail de savoir qui sont les éléments du crime organisé dans cette région. Hé, hey Michael, laissez-moi vous dire que je n'aime pas du tout vos fréquentations. Ouais, pas plus que moi, grand-père. Non, vous auriez pas quelque chose à manger dans ce gourbi? Je meurs de faim. Hé, qui d'autre ne sait pas que vous êtes ici? Ben, je... Ces types du FBI étaient vraiment furieux. Ils ont pris nos fichiers et le listing informatique. Ils ont nettoyé vos tiroirs, ils ont emporté vos gadgets, vos munitions et la réserve de préservatifs. Hé, une minute, j'avais pas de munitions dans mes tiroirs. Oui, bien sûr. Le cambriolage. Rien n'avait disparu parce qu'ils ne nous avaient rien volé. Au contraire, ils ont planqué des munitions. Pourquoi est-ce qu'ils sont venus mettre des balles dans vos tiroirs? C'est pas croyable. Tiens, regarde ça, Pat. Des balles à ergot? Ouch! C'est quoi la différence? Ça fait un trou énorme et déchiqueté sur les bords. Je parie que le blond Vinel préparait ce coup-là depuis longtemps. Il vole mon revolver et il s'en sert pour tuer la keuf. Mais la question c'est quand et comment? Quand as-tu remarqué que tu l'avais plus? Ben, tout de suite après notre accident. Ah, alors c'est là qu'il la pique? Non, non, il n'était pas là. Il n'y avait personne à part Trinity et moi. Oh non. Non. Zelda, allez interroger l'hôtel de Trinity. Elle a peut-être laissé un reçu de carte de crédit ou passé des coups de téléphone à l'extérieur. Je l'ai déjà fait. Il n'y a rien. Et la voiture de location qu'elle avait? Pareil, elle a payé en espèces et leur a donné la même adresse bidon que celle qu'elle nous a fournie. Elle a filé Mike. Je suis désolée. Allez, on y va, mon grand. Il faut que tu me suives au poste. On va essayer de trouver une solution. Non, non, attends une minute. Nathan, vous ne connaîtriez pas un groupe qui s'appelle Trinity ou bien la Trinité? Pourquoi cette question? Parce que c'est un coup de la mafia pour moi. Akuff était un témoin protégé par le FBI. Quand je me suis approché de lui en disant « Je viens de la part de Trinity », il m'a cogné dessus et balancé par la fenêtre. La mafia transmet toujours un message à ses futures victimes. Ils ont dit à Trinity de prendre ce nom pour qu'Akuff comprenne bien qui organisait le meurtre. Possible. Ça remonte à pas mal de temps, vers les années 65-70. Il y avait trois gamins qui venaient de Daytona et qui s'appelaient Trini. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Trois gamins qui s'appellent Trini, c'est une coïncidence assez bizarre, vous ne trouvez pas? Ah, ils ont été emprisonnés. Vous savez ce que c'est? Quelqu'un a passé un contrat avec la police et ensuite, il a dénoncé la bande. Oh là, une minute, une minute. Des jus de fruits, c'est excellent pour la santé. C'était trois types de Daytona. Une nuit à Daytona. Une nuit à Daytona. Une
nuit à Daytona. Une nuit à Daytona. Une nuit à Daytona? Vous êtes sûr que ça va? Trinity avait vomi sur son écharpe. Elle l'a laissée dans ma voiture. J'ai remarqué l'étiquette, c'était une nuit à Daytona. Encore une coïncidence? Non, je suis sûr que non. Alors vous croyez que c'est la mafia de Daytona qui a engagé Trinity pour tuer Eckhart? Je n'en sais rien, je n'ai rien d'autre, alors je vais me mettre sur cette piste-là. Là! Oh non, Mike. Je t'ai laissé faire tout à l'heure pour que tu aides ta copine. Mais je te laisserai pas te sauver comme ça pour régler tes comptes personnels, ça n'a pas question. Oh, voyons pas, c'est l'unique chance qui me reste. Je ne supporte pas de m'être fait avoir comme un enfant de cœur. D'ailleurs, je ne vois pas du tout comment tu me retiendrais. Pas du rien. Tu crois que tu pourrais te faire la malle sans mon autorisation? Oui. Vas-y, essaie. Tu m'emmerdes, Matt. Donne-moi 3 jours, Matt. Si je retrouve pas cette fille, je te laisserai me coffrer. Tu sais que je pourrai plus rien pour toi quand tu seras à Daytona. Si je retrouve Trinity là-bas à Daytona, ce sera pas moi qu'il faudra protéger. Tu représentes tout ce que je déteste chez un mec, Mike. Ce qu'elle dit, c'est vrai aussi pour moi. S'il te plaît, Pat. Rien que 3 jours. Je te donne 2 jours. Et après ça, je viens te récupérer moi-même. Mais si les fédéraux te mettent la main dessus, tu pourras compter que sur toi. Hé, hey, vous inquiétez pas. C'est comme ça que je gagne ma vie. Le FBI surveille mon bureau. Alors je leur ai envoyé Velda pour les occuper. J'échange ma petite merveille contre une voiture discrète que Louis a bricolée pour moi. Voilà. Le moteur tourne, les freins marchent. J'ai même installé une ceinture Enervan. Inutile de monter ta camelote, Louis, elle est vendue d'office. Hé, tu veux la carte de crédit qui va avec, Miguelito? J'arrive à Daytona, pas moyen de se garer. Amanda, est-ce que vous auriez une chambre de libre? Eh non, je n'ai pas fait de réservation. Oh, malheureusement, nous sommes au complet. C'est le week-end de Pâques. Ah, eh bien, je viens pour un enterrement. Oui, j'ai bien une chambre disponible jusqu'à lundi soir, mais j'ai peur qu'elle soit un petit peu chère. L'argent, c'est fait pour être dépensé. J'aime bien les clients comme vous, monsieur Mendoza. Visiblement, ici, ça n'est pas le style costume de rigueur. Enfin, quand on est à Daytona, on fait comme les Daytoniens. Oh, quel luxe! Je suis un prisonnier en cavale, sans relation et pressé par le temps. Mais Daytona le week-end de Pâques, c'est la meilleure des planques. Avec cette affluence de touristes, les petits dealers ont de quoi s'occuper. Ça coule par terre.
C'est normal. Tu fumes? Qu'est-ce que tu me proposes? Tout ce que tu veux, je l'ai. Toute la qualité super. Chanvre en fait, tranquillisant. De la coke, l'héro, seringue stérile, t'en paies une, t'en as deux. Ouais, cool, mais c'est pas la marchandise que je cherche. Ah, j'ai aussi une paire de haut-parleurs si ça te tente encore dans leur boîte. C'est à peine à 5 minutes d'ici. Non, non, moi ce que je veux, c'est un flingue. Ah, ça je fais pas. Ah, tu vois, le seul que j'ai, c'est ce bébé-là, tu vois. Il est pas à vendre. Je veux... mec, t'en fais pas, je veux pas te priver de ton gagne-pain. Non, je vais te dire un truc. Je vais pas bouger d'ici pendant un certain temps, on se reverra. Parle-en autour de toi. Hé, quoi? Attends une minute. Bah quoi, t'as pas de missile? Ça rentre pas dans le coffre. Combien? Combien pourquoi? Combien pour une seule balle? Ça dépend. Tu veux qu'on aille? En express. Oui, j'ai un copain qui aurait bien besoin de faire soigner sa migraine. En général, tous ces types se connaissent entre eux. C'est pour ça que ça s'appelle le crime organisé. Maintenant que j'ai mis un pied dedans, il suffit que je m'y enfonce un peu plus pour remonter en haut de l'échelle et rencontrer ceux qui ont engagé Trinity. La personne à qui tu veux parler t'attend ici. Non. Ne bouge pas, ne respire pas. Ça, c'est la théorie. Michael Hammer. C'est quoi comme nom, ça, Hammer? C'est irlandais en passant par Hoboken, au New Jersey. Marrant. Bah, tu sais quoi? Aujourd'hui, t'es Michael foutu. Très drôle. Pourquoi est-ce qu'un privé de Miami essaie d'embaucher un homme de main à Daytona? Ça pour le compte de mon client. C'est une affaire très délicate. Il ne peut pas s'en charger lui-même. Oh, bien répondu. Oh, mais tu mens. Ah, j'ai vu ton portrait dans le journal ce matin et je sais que t'es recherché pour meurtre. Il a déjà rôti des châtaignes avec un chalumeau, monsieur Foutu? Non? Là, je vais te faire voir. Ah. Oh. Ah. Laisse-moi te reposer la question. Pourquoi est-ce qu'un privé minable de Miami recherché pour meurtre veut engager un tueur à Daytona? Désolé, mais ça vous regarde pas. Ah! Mais vous le savez bien, non? C'est vous qui m'avez fait porter le chapeau pour Akeuf. Ah! Akeuf? Qui c'est ça, Akeuf? Le type qui a donné vos anciens patrons, la Trinité. La Trinité? Quoi, c'est ça qui t'a amené jusqu'à Daytona? Allez les gars, enlevez-moi le type. C'est pour ça que tu t'es fait avoir à Miami. Quoi, quoi, comment tu l'appelles? Akeuf? Le mec qui a donné la Trinité, c'était Gimpy Margarita. Le FBI a dû changer son identité pour le protéger. Et je ferai pas de mal à Gimpy. Gimpy, c'est mon héros. Les Trini seraient pas partis s'il n'y avait pas eu Gimpy. Et moi, je ferai toujours le Mac sur Orange Avenue. Je savais pas que t'étais un Mac avant. Ouais, j'ai fait le Mac, pourquoi? Mais c'est pas avec toi que je cause. Non, tu veux t'asseoir sur ma chaise? Non. Alors la ferme. Oh, c'est mon beau-frère, ce gosse. Moi, qu'est-ce que je peux faire? J'y peux rien, c'est la famille. Hé, hey, le privé. J'ai jamais fait descendre ce mec. Et en tout cas, ça n'est pas moi qui vais avoir ta peau. Ouais, ben ça, c'est vous qui le dites. Mais pourquoi je vous croirais? Parce que je préfère te laisser en vie. Bon, d'accord, c'était pas la mafia de Daytona qui avait embauché le tueur. J'avais au moins appris le vrai nom d'Akeuf. Gimpy Margarita. C'est pas banal comme nom, Gimpy. Ça sera peut-être meilleur si c'est moi qui le fais. Non, non, ça va aller. Je vous remercie beaucoup. En tout cas, si le FBI sait que je suis ici, il reste discret. Michelangelo Margarita est mort. Il s'était coupé deux doigts de pied pour protester contre la guerre du Vietnam et n'a survécu que grâce à sa mère. La mère de Gimpy pourrait peut-être m'aider. Après quelques recherches, je la retrouve dans une maison de retraite avec vue sur l'océan.
Merci, vous me sauvez la vie. Tous ces imbéciles là-haut, ils ne veulent pas que je fume dans leur baraque. Ils s'emportent sans arrêt mes cigarettes pour les jeter. Alors tenez, allez-y, je vous donne le paquet. Et vous essayez de marquer un point avec moi, jeune homme. Je ne me fais pas avoir si facilement. Bon, alors. J'aimerais retrouver les personnes qui ont tué votre fils, Madame Margarita. Savez-vous qui est cet enfant? C'était ma petite fille. Quoi était? Elle est morte? Non, tuée il y a maintenant 14 ans. Qui? Les frères Trini? C'est arrivé par la poste. Qu'est-ce qui est arrivé? Écoutez, Gimpy a essayé de les doubler. Quand ils l'ont su, ils lui ont envoyé une bombe et ma pauvre petite Angela, elle a ouvert le paquet. Ma bombe! Et si je comprends bien, c'est pour ça que Gimpy les a livrés aux fédéraux, logique. Vous savez ce que je crois? Je crois que quelqu'un a vu votre fils à Miami et qu'il a contacté les frères Trini. Je crois que l'ordre de l'abattre est venu de l'intérieur. Les frères Trini sont morts tôt depuis des années. Qui leur aura tué son affaire? Non, non, c'est pas possible. Pourquoi dites-vous ça? Ils sont sûrement vivants. Ça m'étonnerait bien. J'ai vu l'enterrement. Alors si tous les Trini sont morts, qu'est-ce qui... Qui a dit qu'ils étaient tous morts? Je n'ai jamais dit qu'ils étaient tous morts. Il y avait encore un petit frère derrière. Vendetta! Tenez, le voilà, c'est la petite ordure que vous voyez là. Pat, écoute. Teddy Trini. Ce gosse avait juste 12 ans quand ses frères sont tombés. C'est un adulte maintenant. Peut-être qu'il veut régler ses comptes. Quel âge il a? 26, 27 ans? Ouais. Il a un casier. Quoi, tu te fous de moi dans ce genre de famille? Bien sûr, ils ont tous un casier. Au fait, Akeuf s'appelait Gimpy Margarita, vérifie ça. En 67, il s'est coupé deux doigts de pied pour échapper au Vietnam. Oui. C'est vrai, quel con. Moi, j'aurais payé pour aller au Vietnam. Et c'est pour ça que 8, c'était son chiffre porte-bonheur. Il avait 8 orteils. Merde alors, c'est pas croyable. Il n'a pas de casier. Pas de casier? Et chez les mineurs, rien non plus? Teddy était un très vilain petit garçon. Est-ce que tu peux me dire où il a été bouclé? Eh ben écoute, tout près d'ici, à Volusia. Pat, tu veux bien me donner le nom du flic qui s'en est occupé? Y a quelqu'un? Waouh, doucement avec la batte, Pops. Qu'est-ce que vous voulez? Je m'appelle Mike Hammer, voilà ma carte, je suis détective. Vous vous rappelez un délinquant, un gamin qui s'appelait Teddy Trini? Oui, il a marié ma fille. Teddy Trini est devenu votre gendre? Non, il ne l'a pas épousé, il l'a marié. C'est un prêtre. Excusez-moi, vous êtes le père Trini? Oui. Je crois que j'aurais besoin de me confesser. D'accord. Attendez-moi une petite minute. Ça fait combien de temps que vous ne vous êtes pas confessé? Ça fait 16 ou 17 ans, je crois, mon père. Oui, c'est bon. Alors peut-être que nous devrions nous passer de faire un examen de conscience et parler directement de ce qui vous ennuie. D'accord. C'est à propos d'une fille, mon père. J'étais fou amoureux d'elle. Et puis j'ai découvert qu'elle m'avait menti pour des tas de choses. Et maintenant, je meurs d'envie de lui faire sauter la cervelle. Et ça n'est pas une simple façon de parler, mon père. J'ai vraiment envie de lui faire exploser la cervelle. Je vois. Mais comprenez-moi bien. Je ne suis pas violent d'habitude, même si parfois je le suis, mais je... Enfin, parfois c'est justifié. La violence n'est jamais justifiée. Vous croyez, mon père? Est-ce que vous pouvez me jurer que vous n'avez jamais éprouvé de sentiments violents? Peut-être que vous aussi, vous avez rencontré une personne qui vous a fait tellement de mal qu'aucune vengeance au monde ne vous paraîtrait suffisante. Vous n'avez jamais ressenti ça, mon père? Vous êtes sûr? Parce que moi, c'est ce que je ressens. Je crois que je pourrais poursuivre cette personne jusqu'à l'autre bout de la terre. Je voudrais qu'elle souffre comme personne n'a jamais souffert. Mais je suis comme vous, mon père. Je suis quelqu'un de bien. J'ai des responsabilités dans la vie. Seulement, je n'arrive pas à attendre l'autre jour. Il faut que je fasse quelque chose. Sinon, je ne serai plus un homme. Est-ce que vous comprenez? Il faut que je me venge.
Moi, mon père, est-ce que mon péché serait moins grand si j'engageais quelqu'un pour le faire à ma place? Quoi? Quand vous la verrez, dites-lui que Mike Hammer la salue. Voici ma carte. Et on se passera également de l'acte de contrition, je pense que vous saurez pourquoi. La journée s'annonce plutôt bien. Si Velda continue à occuper les gars du FBI, je crois que j'arriverai à attirer Trinity dans mes filets. Ces beignets? Non. Alors finement remplir un. Faut bien où aller. Excusez-moi, inspecteur, je me suis perdu. Je cherche l'hôtel Racifi Royal. Je dois y retrouver mon ancienne petite amie. J'aimerais bien vous avec elle. J'ai même retenu la chambre nuptiale. Suivez le front de mer sur votre gauche. Merci beaucoup. Et voilà. Je l'ai appâtée. Elle n'a plus qu'à mordre à l'hameçon. Bonjour, monsieur Mendoza. J'arrive enfin au bout de mes peines. Maintenant, il ne me reste plus qu'à convaincre le FBI qu'un prêtre a embauché deux inspecteurs de police pour assassiner un homme et me faire passer pour le coupable, dans le seul but de venger un syndicat du crime qui n'existe plus. Bah, c'est un jeu d'enfant. Excusez-moi, est-ce qu'il n'y aurait pas un homme seul dans la chambre nuptiale? Ah si, bien sûr, c'est monsieur Mendoza. Vous voulez que je prévienne? Non, non, non. Ce ne sera pas nécessaire. Merci. Bon, si ça ne marche pas, il faut prévoir des alternatives. Moi, j'en ai 7. 6 dans le chargeur, 1 dans le canon. C'est ouvert. Salut, Mike. Jolie chambre. Je ne m'attendais pas à te revoir. Excusez-moi, je ne vous connais pas. Je ne crois pas me rappeler votre nom, inspecteur. Inspecteur suffira. Tu as un micro? Comment tu m'as retrouvé? C'était facile après la bêtise que tu as faite. Et quelle bêtise est-ce que j'ai faite? Tu m'as mis hors de moi. Je croyais que les prêtres étaient des hommes discrets. Je suis un peu déçu. Et moi donc? Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? J'imagine que l'idée de vous rendre à la police est hors de question. Qu'est-ce que ça nous rapporterait? Je suppose que l'idée que tu sois condamné à mort à ma place est hors de question. Je crois que je préférerais autre chose. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Je ne sais pas, jouons ça à la roulette russe. Je suis très bon pour ça. Et moi, j'ai encore tué personne aujourd'hui. On peut trouver un accord. Quel genre d'accord? Le prix que le prêtre a payé pour tuer Akeuf.
Je veux tout l'argent. Tu crois quand même pas qu'on va te donner cet argent, alors que c'est nous qui avons fait le travail? J'en ai besoin, au cas où je dois quitter la ville. Vince, va attendre dehors. Quoi? Laisse-moi m'occuper de ça. Non, je reste. Sors d'ici. Une obéie sans broncher. Tu l'as bien dressée. Oui, c'est un don. Écoute, Mike. J'ai tué le vieux, il faut que je sois payé. Mais voilà ce que je te propose. Je vais t'en donner la moitié, la part de Vince. On lui dira que tu l'as prise. Qu'est-ce que tu en dis? Tu crois qu'il acceptera ça? Je n'en sais rien. Tu n'as qu'à lui demander. Ben, on n'attend plus que toi pour commencer. Mais non, non, vous vous trompez de personne. Ah, le voilà. Voici notre dernier concurrent. Le concours va commencer. Hey!
Le sergent Pat Chambers, s'il vous plaît. Pat, c'est moi. Je l'ai coincé. Salut, Trésor. Laisse-moi deviner. C'est pour un enregistrement de tennis solitaire, hein? Vous, les hommes, vous êtes parfois moins bêtes qu'on croirait. Je comprends rien. Pourquoi? Pourquoi m'avoir pris comme tierce personne dans ton plan? Ça a forcément tout compliqué. J'avais besoin d'un homme de paille. Et ensuite, il est arrivé ce que je t'ai dit. J'étais en vacances et j'ai tombé sur ton adresse affichée sur un bus. Et alors je me suis dit, oh, ce qui doit être nul. Oh, tu m'as rendu les choses si faciles. Grâce à toi, j'avais plus rien à faire. Pourquoi tu as fait semblant d'être amoureuse de moi? Ça ne t'apportait rien. Oh, ne sous-estime pas, mon amour. Tu es vraiment très joli garçon. Et peut-être qu'un imbécile, mon nom, tu m'as fait du bien. C'est bizarre, la seule fille qui m'attire vraiment n'est en fait que le produit de mon imagination. Tu veux que je te dise, Mike, c'est toujours comme ça que ça se passe. Oh, je fais vraiment envie de toi, Mike, t'es un sacré beau gosse. Mais je crois pas que ça marche entre nous, tu vois, on est bien trop différents. Toi, tu es un vrai petit boy scout. Alors que moi, j'aime tuer. La fête est finie. Démarre la voiture. Vous en paix, inspecteur. Mike, je suis sûr que ça t'intéresse. Le prêtre s'est confessé. Et il va prendre perpète. La prison à perpétuité, c'est rien comparé à ce qu'il attend pour l'éternité. Ouais. Merci, Pat. Au travail, patron. Ah. Il me faut votre signature sur ces chèques. Eh, c'est quoi ça? C'est la chambre nuptiale au Racifi Royal. Ah oui. Pour le lait. Ah, Daisy. Et ceci. 19 000 dollars, pourquoi ça? C'est l'auto que vous avez volé au FBI et échangé à Louis, sauf si vous voulez qu'il dépose plainte. Non, non, je signe. Je signe. Encore heureux que j'ai ce billet pour Cozumel. Louis, c'est peut-être un escroc, mais c'est un sacré mécanicien, regardez ça. Ah! Bon, est-ce qu'il vous faut autre chose? Autrement, j'ai rendez-vous chez mon dentiste maintenant, alors j'y vais. Non, 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 allez-y. Amusez-vous bien. Au revoir, Mike. Au revoir. À demain. On dirait ma veste de smoking. Mais oui, c'était ma veste. Eh oui, c'est comme ça que je gagne ma vie.